Le sanctuaire Maria Dalada a réuni ce vendredi 28 décembre 2018 10 168 enfants pèlerins venus de différentes paroisses de l'archidiocèse de Cotonou. Ils y sont pour louer et magnifier la naissance de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Louanges, adorations, confessions, prières au Saint-Sacrement et catéchèses ont constitué le menu du pèlerinage annuel de l'enfance missionnaire 2018. La messe pontificale reste le principal moment qui a retenu l'attention des nombreux enfants pèlerins présents ce jour au sanctuaire marial d'Alada. La messe pontificale de ce vendredi a été présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Roger Ngbedi. À l'entame du culte, le père Bertrand Tometi Kosoupe, aumônier diocésain de l'enfance missionnaire, a exprimé sa gratitude à l'archevêque et aux enfants pèlerins. En cette troisième année de votre pontificat, à la tête de l'archidiocèse de Cotonou, vous avez voulu aider le peuple de Dieu à revenir à l'essentiel qu'est la communion fraternelle, à l'instar des premières communautés chrétiennes. Nous avons aussi aidé les enfants durant ce pèlerinage à mieux comprendre la communion fraternelle et son importance dans la vie du chrétien. À travers des sketchs et un panel, et aussi la catéchèse de ce matin, les enfants ont désormais compris que sans la communion fraternelle, que sans la communion avec Dieu, la communion fraternelle perd sa ressource majeure. Dans son homélie, l'archevêque Roger Ngbedi a exhorté chacun à la réflexion sur la situation des enfants dans le monde. Il n'a pas manqué d'inviter les enfants au respect et à l'humilité en référence à l'enfant Jésus, persécuté par Hérode à sa naissance, fugitif à sa naissance, mais qui finira par devenir roi. Comment célébrer aujourd'hui la fête des saints innocents sans penser à tous les enfants de notre monde qui sont persécutés, massacrés de multiples manières. Avant même leur naissance, plusieurs d'entre eux sont détruits dans le sein maternel par l'avortement. D'autres, à peine nés, sont rejetés, abandonnés par leur mère. D'autres encore, s'ils ne sont pas affreusement abusés sexuellement, sont utilisés comme des enfants soldats. La situation des enfants dans notre monde actuel est catastrophique. L'envoi en mission des animateurs en année de persévérance par Mgr Roger Ngbedi et les agapes fraternelles en paroisse ont mis un terme à cette 23e édition du pèlerinage des enfants dans l'archidiocèse de Cotonou.